Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui devez faire le travail pour qu'il aille où il aille. Sinon, lui-même, il ne va pas vouloir y aller. Il y a un couteau, souvent c'est pour menacer. La personne qui tient le couteau pour menacer, quelquefois, elle n'a pas envie de l'utiliser. Je dis quelquefois. Parce que quand c'est lancé, c'est une menace, une attaque. Et ouais, elle se dit, voilà, j'ai un outil qui fait en sorte que l'autre, il va me donner rapidement ce que je veux. Donc si vous ne lui donnez pas, vous le mettez en difficulté, parce qu'il est obligé. Soit il s'en sert, parce qu'il veut vraiment ce que vous avez, et du coup, là, vous lui avez juste fait perdre un petit peu de temps, il va prendre ce que vous voulez. Soit vous avez de la chance, il se bat, et donc là, vous pouvez vous dire, je m'en suis bien sorti, je n'ai pas donné, en plus, j'ai fait face à une menace autour. Attention, la première consigne que je vous donne, c'est de donner. Alors après, effectivement, si on est une femme, je suis un homme, que la personne, ce que je vous dis, elle vous attrape, elle dit, je t'emmène le truc, je vais te saigner. Au bout d'un moment, si vraiment on a la sensation qu'on va plus, qu'on peut plus rien faire, ça va être compliqué. Et vous voyez bien que moi, vous avez vu, hein, je fais ça, le mouvement que j'étais en train de faire pour sortir, il est déjà plus compliqué. Donc là, on va travailler un petit peu là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il met la pression, je suis ici, pouf, je sors. Et vous avez vu que du coup, mon désarmement, il est plus lent. Parce que comme je subis, donc je sors, là, il est encore en train de rentrer sur moi, donc il me met en difficulté pour désarmer. C'est-à-dire que c'est mes appuis, là, il est en train de passer devant moi, je suis obligé de le rattraper. On va le chercher. Vous voyez cette nuance avec ce qu'on est en train de faire, où là, on est sur place, non, pardon, on est sur place, un peu comme la semaine dernière, quand on faisait les pompes et qu'on attaquait, mais c'était la semaine d'avant. Je suis ici, c'est moi qui décide du tempo, du timing. Et la différence, où il est là, je pousse, et là je suis dit, boum, je suis obligé de m'adapter. C'est pas chaud. Mais, vous avez vu qu'en déplacement, eh ben, je mets plus de temps à désarmer. Il va falloir que je m'adapte, que je gère de mon tempo. Par contre, quand je vais rentrer sur la frappe, je vais être plus efficace. Parce que comme il est en train de rentrer en même temps, boum, il prend toute la puissance. Donc travaillez-le un petit peu. Tranquillement, je le fais doucement pour que vous puissiez voir. Il pousse, je subis, boum, je décroche, ma frappe dans les parties. Donc, je suis ici, il pousse, je subis, boum, je rentre, et la frappe. Je ne vais pas la frappe n'importe où. C'est ici, au moment où je suis là, je dégrappe, je suis là, boum, c'est en même temps. C'est juste pour un point supplémentaire, et du coup, ça m'évite d'avoir à monter là.